Salut à tous, c'est Tania et on se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon, donc notre aventure. Et c'est parti. Donc on avait dit qu'on irait faire l'arène. Et pour cette arène, j'ai décidé d'utiliser uniquement Ferrosinge. Donc il va falloir le monter de niveau. Hein. Et pourquoi Ferrosinge? Ben parce que c'est un Pokémon combat. Et que les Pokémon de type feu ne sont pas très efficaces contre les Pokémon de type roche. Sinon, je pourrais faire hopper mon Salamèche assez pour qu'il ait la capacité griffe d'acier, je crois que ça se nomme. Mais je sais pas, bah, peut-être je vais l'utiliser un peu, mais j'ai surtout utilisé mon ferro-singe en fait. Donc, ouais, je vais le faire une avance rapide dès le début, génial. Mais je vais le faire un peu mon ferro-singe au niveau. Les 12? Ouais, au niveau 12. Même 13 peut-être. Et. Je reviens vers vous dès que c'est fait. Je vous reprends juste, j'avais envie d'attraper un Hoothoot, donc je vais le faire devant vous, hein. Je viens juste d'en voir un, donc je savais pas qu'on pouvait en voir dans ces herbes. Donc, je vais essayer de pas le tuer, voilà. Je crois que ça devait être bon pour cette Pokéball. Pokéball, go! Et voilà, on l'a attrapé, vous voyez, c'est ça que je vous parlais, on le voit dès qu'on lance la Pokéball, si on l'a attrapé ou non. Et si on réussit pas à l'attraper, on n'envoie juste pas la Pokéball. On a un message d'erreur et on perd la Pokéball. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Allez, je vous reprends tout à l'heure quand mon monkey sera. Ben, mon ferro-singe sera niveau 13. Je vous reprends donc pour deux raisons. Ben, en fait, mon ferro-singe n'est pas encore niveau 13, il est juste niveau 10, comme vous avez pu le voir. Et déjà, la première, je voulais vous faire remarquer quelque chose d'assez dommage. Mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ça enlève du gameplay. Maintenant, là, j'ai mon ferro-singe est empoisonné. Quand je marche, mon Pokémon ne va pas perdre de vie. Ça, c'est un peu dommage. Et deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle je vous reprends, c'est que je vais aller faire le premier dresseur de l'arène pour prendre un peu d'expérience avec mon ferro-singe. Donc voilà, on va y aller. Hein. On connaît le chemin. Donc si je ne me trompe pas, on va se battre contre un Cracaillou niveau 9. D'après moi. Si je me suis bien. Hein. Encore Liam aimerait se battre. Ouais. Ah non, un Raikou niveau 10. Mais ça va faire de l'entraînement. De l'expérience plutôt. Combien d'expérience? 183. Ouais, ça change des Pokémon sauvages.
Oh, et un sabalette. Je me souviens plus si sabalette, si c'était efficace. Bon, on va essayer. Hein. Ouais, non, c'est pas très efficace. Je vais changer pour salamèche. Ah oui, j'ai déjà ça. Bon, bah, c'est bien. Comme ça, si mon heureux singe est KO, je vais pouvoir utiliser sa salamèche. Est-ce qu'on perd des PV? Non. Ah, ouais, c'est vrai. Je sais pas, j'hésite. J'hésite sur ce que je pouvais faire. Est-ce que je vais faire le champion tout de suite ou non? Parce que. Ah, stop, stop! Il est bloqué sur. Ouais, bon. Parce qu'il y a quand même un Pokémon. Ouais, un X niveau 14 et un. Oui, bonjour. Et un Rakaio niveau 12. Donc j'ai qu'un dans ceux qui pourraient m'être utiles. J'ai juste un Féro Singe niveau 10 et un Salamèche niveau 13. C'est quand même une petite différence de niveau. Sauf qu'ici ça va être lent avant de monter de niveau. Et je me souviens pas. Avoir une place où je pourrais monter de niveau rapidement. Ici, il me semble que c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué par quelqu'un. Pour les dresseurs. Ici, il n'y a rien. Il faut juste me parler du musée. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Rien. C'est juste pour aller couper l'arbre, là. Ouais, on va aller se tenter. J'hésite. J'hésite. Bon, on va le tenter, hein. J'ai 5 potions au pire. Bon. On va le tenter, on va le tenter. Au pire, on mourra. Et on perdra. Ah oui, j'ai quand même 340. Bon, on verra. Bon, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Je vais essayer de me faire le racaillou avec mon fer singe. Et on verra ensemble ensuite. Oh, et un autre truc dommage, c'est quand on a fini de battre un Pokémon, le dresseur, il ne demande pas si on veut changer de Pokémon avant d'aller. Avant de ba combattre l'autre, le prochain. Mais bon. Niveau 11, c'est bien. Mais c'est encore en amélioration d'après moi. Bah, je crois que c'est encore en amélioration le. Le. Pardon, le jeu. Ouais, bien, 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 bien. C'est bon, niveau 12? Oui, c'est bien ça. On l'a battu. Eh bien, ça a été mieux que je le pensais. Et on a le badge. Le badge. Boulder Badge. Et on a gagné 840 Poké-Dollars. Et on a reçu la TM Technical Machine. Ok. Ah, on a reçu la TM Rock Tomb. C'est Tomb Rush. Ça fait mal et je sais pas ce qui est écrit. Ah, ça baisse sa vitesse. Je sais qu'il va se décrire. Bon, on va faire sonner notre petit fier singe. Il l'a bien mérité, hein. Il est bien combattu. Puis, on va aller sur la prochaine route pour faire explorer un peu nos Pokémon. Je vais mettre celui-là. D'ailleurs, je vais mettre mon autre route en premier. Pour le faire XP plus. Et voilà. On va parler un peu aux gens du Pokémon. 15 GB.
Charge les Pokémon. Je sais pas ce qu'il t'explique. Moi aussi. Ça doit être les Pokémon syndrome. Quoi? La Team Rocket est au Mont Lune? Je suis sur le téléphone. Ça doit être une expression que je connais pas. Je veux vraiment un Pikachu. Donc j'échange mon Mélophée pour un. D'accord. J'entraîne mes Pokémon avec. Ah, pardon. J'échange mon Pokémon avec cet enfant. J'avais deux Pikachu alors. J'ai pensé que je pourrais en échanger un. Salut, je suis contente de te voir. C'est pas bien venant de toi. Pourquoi tu ne dis pas bonjour en retour? Allez, parle-moi un peu de toi. J'aimerais entendre ton profil. D'accord. Mais pas même pas proposé de choix, donc je peux vraiment le dire. Ça doit être un autre bug. Sûrement. Bon, on va aller s'acheter quelques petits trucs. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? 5 potions. Pokéball. Et c'est ça. Et une antidote. Je vais m'acheter une Pokéball. Un de chaque, comme ça ici. Il me reste 234. Ouais, non, j'ai pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. Ah, j'ai la mauvaise habitude de pas utiliser mes TM. Bon, ça va être vers la fin du show. Bonjour. Oui, normalement, dans le vrai Rouge Feu, ils donnent les chaussures de sport, mais on les a déjà. Donc, ça sert à rien. Ici, rien. Bon, petit combat. Il est niveau 5, notre truc. Donc, on va essayer de pas le tuer non plus. Hein. Jusqu'à temps qu'il soit niveau 10. Ah oui, non, il va pas se battre contre lui. Désolé. Désolé, hout, je vais revenir. Ça va être Mankey qui va se battre. Ah non! Pas de coup critique. Non, c'est pas grave. Je vais l'achever un peu, puis je vais sortir mon retour. Ah, d'accord, mais j'ai d'accord. Bon. Ok. Ah, j'aime pas ça quand il baisse notre accuracy. C'est la visu, ça. C'est le visu. Bon, on a un Pokémon de chaos. Yay! Je te jure. Non, il va pas le battre. Go, Salamèche! Utilise Flamèche! C'est bien! Et non, tu manques pas de niveau. Au niveau 6, Foresight, c'est quoi ça? Je sais pas. Pas grave. 108$. Ah, cool. On va retourner les soigner. Hein. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une petite pause, hein. J'ai été manger entre-temps. Je me souviens plus ce qu'on était en train de faire. Ah oui, on allait sur la se soigner. Et sur la route. Oui, on allait sur la route. Donc on va y aller de ce pas. Le petit bug. D'accord, ça s'est réglé. Bien, et on faisait. Level up est notre hoot-hoot. Normalement, il devrait être capable de battre des Pokémon insectes. Même s'ils sont plus haut level que lui. On va voir ça tout de suite. On va l'essayer, puis s'il est en train de mourir, on va échanger avec Salamèche. C'est quoi ça?
Foresight. On va l'essayer. Voyons voir. T'as rien fait? Là, je l'ai refait, mais ok. Ok, d'accord. J'ai compris. J'ai pas compris en fait. Non. Ça faisait quoi? Ou juste? Juste comme ça? Ok. On va faire comme si on avait compris, ok. Je sais pas. J'ai pas compris en fait, c'était quoi. Si vous savez c'est quoi la foresight, là. Dites-le-moi dans les commentaires parce que je sais qu'après ce combat-là, je vais oublier d'aller voir dans les compétences. À moins que j'oublie pas, là, mais. Si j'oublie, écrivez-le-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, d'accord? Merci beaucoup. Ah, c'est vrai, là-bas, je voulais faire repérer moi, le truc. Ah, c'est pas grave. Hey, vous avez vu, je vais pas oublier, je vais pas oublier. Je vais pas oublier. Oui, ça fait 3 fois que je répète. Voyons voir. Compétences, c'est où compétences? Ah. Je comprends pas tout là. De ce que je comprends, c'est écrit annule, c'est annule, non? Complètement l'ennemi, les efforts ennemis pour Aiden, c'est pas Aiden. En tout cas, c'est ses habiletés d'évader là. Ah, eh bien, tu m'en diras tant. Et non, je comprends pas plus. Bah, c'est pas grave, on va dire que c'est une capacité inutile et qu'on va la remplacer dès que possible. D'accord? Même si vous ne savez pas vraiment me répondre. De toute manière, c'est pas tout de suite que je vais l'effacer de mes capacités, donc si vous me dites que c'est très utile, je vais vous croire, hein. Mais faut me le dire dans les commentaires, si c'est utile. Pour le reste des épisodes, je sais pas encore à quel rythme je vais les mettre en ligne. J'hésite entre une par semaine ou deux par semaine. Parce que, en fait, j'en tourne un par jour environ un épisode. Un par jour ou un ou 2 jours. Sauf que j'ai peur qu'à un moment donné, il y ait un imprévu et que je puisse pas tourner tous les épisodes. Donc, je veux pas non plus en mettre un par jour pour pas que vous attendiez un épisode. Et qu'il n'arrive pas. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, ou en même pays, ouais, dans les commentaires plutôt, si vous préférez un ou deux par semaine, puis quel jour vous l'aimeriez. Parce que, bah, moi, sinon, je sais pas trop. Ah, notre féro singe est KO. Intéressant. Donc, si c'est 2 par semaine, essayez de pas mettre les jours collés, comme mettons lundi et mardi. Mettons, si vous prenez lundi, peut-être jeudi. Lundi et jeudi, ça serait bien, non? Ouais, ce serait bien. Mais, dites-moi dans les commentaires, moi, j'ai pas de limite. Maximum 3 par semaine, je dirais. Parce que ça prend quand même du temps de monter l'épisode. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié d'aller sans soigner mon fer, je vais y aller tout de suite après. Donc, c'est ça. Ensuite, pour le son. Ouais, pour le son de ma voix. Je sais pas si vous préférez que j'enlève le bruit de fond qu'il y a sur le premier épisode. Ou sinon. Que je laisse.
Parce qu'en fait, si je l'enlève, vous allez avoir l'impression, mais je l'ai déjà essayé, sauf que vous avez l'impression, on a l'impression que je porte dans une bouteille en fait, c'est pas très joli. Mais si vous préférez ne pas avoir le brise-fond et m'entendre parler comme dans une bouteille, bah, dites-le-moi dans les commentaires aussi, ça va faire beaucoup de choses dans les commentaires. Bref, c'est pas si grave. Et c'est ça, hein. C'est pas mal ça mes sondages, pardon. C'est pas mal ça mes sondages pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Hein. C'est pas encore le temps de nous quitter, mais. Et quand j'ai. Quand l'épisode va finir, j'ai oublié de faire toutes les petits speeches que tous les youtubeurs font, hein. Likez, commentez, abonnez. Comme on dit. Mais ouais. Donc je vais le dire tout de suite. Likez, abonnez, commentez, ça va me faire plaisir. Et si vous aimez ou vous commentez, ça va me motiver à faire plus d'épisodes. Saisi. Et si vous vous abonnez, ben, je vais faire des séries sur d'autres jeux Pokémon, parce que ben, pas forcément Pokémon peut-être. Hésite, ça va faire beaucoup de choses un Pokémon dans les commentaires, non? Si je vous demande encore une autre chose, je sais pas. Est-ce que je dois vous demander une autre chose? Oui, peut-être que je vais vous le demander. Peut-être mettez-moi dans les commentaires si vous aimeriez que sur ma chaîne je fasse d'autres choses que du Pokémon ou juste du Pokémon. Ben, moi c'est ça, je vais faire du gaming. Après ce que je vais faire comme gaming, je sais que je vais faire du Pokémon. Pas forcément juste sur Pokémon. Je vais faire des challenges ou des let's play. Mais si vous voulez que je fasse d'autres let's play ou d'autres choses, mettons des tutos ou d'autres choses comme ça. Je peux. Sinon, pendant qu'on fait ce combat-là, je pourrais vous parler de mes centres d'intérêt. Mes intérêts plutôt. Ou moi. Je sais pas. Je vais vous parler déjà. Ben, moi, j'habite à Québec. Au Canada. En Amérique du Nord. Je crois que c'est précis, non? Non, c'est pas précis. Ah, c'est pas grave. Et j'habite à Québec. Au Québec, à Québec. Les deux, je sais pas trop lequel est lequel, mais les deux. Sinon. Oh, il évolue! Yay! Charmander évolue! Yay! Salamèche évolue! Charmeleon! Yay! Ensuite, je continue, j'en étais, ouais, mais mes intérêts. Je m'intéresse beaucoup à l'informatique. En ce moment, j'apprends à programmer en Java. Je prends pas des cours. Je suis trop jeune pour ça. Je suis en secondaire 2, pour ceux qui savent. Sinon, je crois que c'est la cinquième, c'est l'équivalent de la cinquième. En France. Quelque chose comme ça. C'est l'équivalent de la cinquième, je crois. En France. J'ai 13 ans, bientôt 14. C'est en juin ma fête, donc c'est pas si bientôt que ça, mais. Sinon, je suis assez sportive. C'est ça alors. Je crois que c'est tout. Ouais, je suis quand même arrachée des. J'aime bien faire de l'art. La peinture, le dessin. Je dessine des mangas souvent. Si vous connaissez, mais j'imagine que vous connaissez un peu quand même. Le Pokémon, c'est un manga à la base. Sinon, dans les jeux vidéo à quoi je joue en ce moment, bah, à Pokémon évidemment. Je joue un peu à The Mighty Quest for Epic Loot. Si vous connaissez. Sinon. Je joue à Minecraft un peu. Et
Et je joue à... Je crois que c'est tout. Oh non, je joue à Cube. Cube World. Oups, je crois que je vais mourir, non? Ouais, c'est pas mal. Ah, je joue Sims un peu quand même. Et c'est tout, je crois. Bon, d'après moi, je vais jouer. Je vais mourir. Non. Yeah, je suis pas mort. Mon ferro-singe n'est pas KO. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais le combat là ou je vais soigner mon Pokémon? Non, je vais aller soigner mon Pokémon et je reviens. Donc, voilà. Ça va faire une demi-heure que je tourne. Pour vous, ça fait moins que ça, donc j'ai fait une petite avance rapide au début. Ouais, je vais faire le combo là et on va se laisser ensuite. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on n'a pas de combat? Ah, non, on n'a pas de combat ici. Bon, dans cet épisode, on a été battre la championne d'arène de ses proches. On a gagné un badge. On a attrapé un hoot-hoot. Et c'est ça, hein. C'est les bails qu'on a fait. On a traversé la route. C'est la route quoi ça? Route 4. Et maintenant, dans le prochain épisode, on va voir la cave Cerulean. Et on va arriver à Cerulean City. Donc, ouais. À la prochaine!